Bonjour à tous. Aujourd'hui, je réponds à une question. Pourquoi faut-il avoir une position des jambes correcte? Donc, il faut déjà savoir qu'est-ce que c'est une bonne position correcte en guitare, en cours de guitare classique. Donc, c'est vrai qu'il y a plusieurs choses à faire. C'est les épaules, évidemment, mais ça ne vient pas tout seul. Donc, il faut évidemment éviter de courber le dos dans ce sens-là un petit peu trop. Donc, il y a les abdominaux qu'on doit garder en forme aussi. Et tout ça aussi, ça vient d'ancrage de nos pieds dans le sol. Donc, il faut qu'on puisse stabiliser nos deux pieds bien stablement par terre. C'est très important. Et par exemple, nous avons dans les cours de guitare, les petits enfants qui arrivent au conservatoire, donc de l'âge de 5, 6, 7 ans, ils n'arrivent même pas à toucher par terre avec leurs pieds parce qu'ils sont trop petits. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend ou deux repose-pieds pour chaque pied, ou justement, on trouve une petite chaise pour eux exactement et on garde dans ce cas-là un repose-pied que pour le pied gauche. Car c'est très important d'avoir la tête de la guitare plus ou moins par là pour stabiliser nos épaules. Donc, comme vous le savez, on a déjà discuté, enfin ceux qui ne savent pas, voilà, en tout cas un petit rappel, ça c'est très très mauvais pour le dos, surtout quand un enfant est en train de grandir. Et quand ils regardent à la télé, les grandes personnes faire de la guitare électrique avec une sangle et tout, donc complètement tordu. Donc non, 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 il ne faut surtout pas faire ça, en tout cas pas à leur âge, justement, parce qu'on doit éviter à tout prix la scoliose. Moi, je l'ai vécu dans mon adolescence aussi, mais parce qu'il y avait, voilà, on ne m'a pas appris, il n'y avait pas tout ça encore. Le travail sur la respiration, l'assouplissement, justement, pouvoir tenir le coup sans de se faire crisper, donc plein de petits détails. Mais les jambes, on va revenir quand même là-dessus parce que c'est quand même la base de cette question. Alors, les jambes, il ne faut pas les serrer sous la chaise, par exemple. Donc, quand vous mettez vos pieds, donc surtout le pied gauche, hein, je vais vous raconter une petite histoire après d'un élève. Donc, le pied gauche doit être vraiment droit, d'accord? Poser le droit, voire un tout petit peu plus écarté, plus loin, pour avoir une bonne circulation sanguine. C'est très important. Donc, ne serrez pas les jambes en dessous de votre chaise, en dessous de vous. Hein. Enfin, pour moi, en tout cas, ça me paraît inconfortable. Et donc, pour la petite histoire, j'avais un élève en troisième cycle. Donc, il arrive au conservatoire, on travaille. Donc, le cours en troisième cycle dure une heure. Donc, il est resté pendant une heure assis. En plus, c'était un élève super concentré. Il a déjà gagné des concours, des premiers prix. Donc, un très, très bon élève. Donc, forcément, voilà, il était à fond pendant une heure. Le cours se termine, il se lève et il tombe directement. Mais je vous assure, il a failli casser la guitare, il a tapé quelque part. Et en fait, il n'a pas senti sa jambe gauche. La circulation, elle était complètement coupée. Il était absorbé par le cours, donc par la musique, etc. Il n'a pas senti, il est resté comme ça. Donc, il est tombé par la suite. Bon, ça allait bien après, parce que moi, j'ai eu peur personnellement. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai jamais lu ça, donc c'est quand même assez rare, hein. Mais ça m'a bien appris, ça m'a vraiment bien appris cette histoire-là qu'il faut à tout prix que les élèves soient vraiment bien installés. Et enfin, c'est toujours le cas pour tous les professeurs, je le sais bien qu'on ne remet personne en cause, mais faites attention toujours aux jambes qu'elles ne soient pas trop coupées. Forcément, quand c'est trop coupé, si vous restez comme ça tout le temps avec votre bras, forcément au bout d'une heure, vous imaginez la circulation. Donc là, c'est pareil pour la jambe, c'est encore pire, je pense. Donc, vu comme c'est le bas du corps. Hein. Donc, faites attention justement à ce genre de petits détails. Voilà, je crois que j'ai répondu à ma question aujourd'hui sur les jambes, tout simplement. Après, sur la position du corps, évidemment, on peut en discuter encore. Et on le fera, bien évidemment. Peut-être j'aurai d'autres questions et je répondrai. Salut, salut!